Je m'appelle Manon, je suis directrice de clientèle chez Orba depuis 2 ans et demi. En tant que directrice de clientèle, mon rôle, c'est d'assurer la bonne gestion d'un projet de A à Z, donc vraiment depuis la prise de brief jusqu'à la livraison de la mission, que ce soit en interne ou auprès du client. Alors, je travaille sur des sujets qui sont assez variés. Chez Orba, on peut intervenir sur les catégories de beauté, soins, dermocosmétiques beaucoup, et également des projets santé ou des projets liés au spiritueux. Et à l'intérieur de ces catégories, on a aussi des problématiques assez différentes, avec parfois des projets qui vont être 100% stratégiques ou alors plutôt orientés création et production. Donc, tout ça nous fait un quotidien assez varié. Et on travaille aussi beaucoup à l'international, puisque à la fois en interne, on a des bureaux à Paris, à Shanghai, à Singapour et peut-être demain ailleurs. Et on a également des clients à l'international avec des projets qui peuvent être basés sur des clients francophones basés à Paris ou alors à Singapour. Pour être un bon commercial en agence de manière générale, je pense que ce qui est impératif, c'est d'avoir des bonnes qualités d'organisation, de planification. Ça, c'est ce qui est vraiment lié à la gestion de projet. Et puis bien sûr les qualités relationnelles en interne et à l'externe auprès des clients qui sont vraiment nécessaires au quotidien pour faire en sorte que tout se passe bien. Chez Orba en particulier, je pense que ce qui est spécifique à notre agence, c'est vraiment de susciter cette envie d'apprendre parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de curiosité pour s'intéresser à des sujets qui peuvent être très variés, très différents et de se mettre en situation d'apprentissage vraiment permanent. On a également besoin d'être assez polyvalent puisqu'on a donc des sujets variés. Ce qui me plaît le plus dans mon job, vraiment, c'est la dimension relationnelle en fait de mon métier, puisque à la fois auprès des clients comme en interne, je peux vraiment interagir avec des personnes très différentes. Ça peut être un directeur général de marque, un directeur marketing, un directeur de communication, ou un chef de produit chez un client, et en interne, un monteur, quelqu'un qui travaille à la stratégie, à la création. Du coup, ça oblige à chaque fois à avoir un langage différent, une manière de s'exprimer différente, une posture différente, et tout ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que ça nous met dans une dynamique d'adaptabilité en permanence, vraiment dans nos missions. Ce qui est également super intéressant et qui me plaît beaucoup, c'est le fait d'animer vraiment l'équipe projet, puisqu'on va travailler du coup avec des personnes de la stratégie, de la création, production, post-production et nos clients. Et nous, en fait, on va insuffler la dynamique et la solidarité dans l'équipe projet à chacune de ces étapes pour que tout se passe vraiment au mieux. Dans mon rôle, ce qui me plaît également, ça va être de vraiment me mettre dans une posture de trouver des solutions, d'apaiser quand il y a des conflits éventuels ou des nœuds éventuels dans un projet, vraiment s'assurer qu'à tout moment, tout se passe au mieux et qu'on trouve les bonnes mécaniques pour avancer efficacement avec une bonne dynamique dans le projet. Enfin, chez Orba spécifiquement, je pense que ce qui est vraiment lié à la taille très humaine de l'agence, c'est qu'on a la possibilité de travailler en autonomie, de prendre vraiment ses responsabilités et d'insuffler de sa personne et de son énergie au sein de l'équipe. Mon conseil pour les futurs candidats, ce serait vraiment de laisser transparaître votre personnalité, puisque chez Orba, comme on est à taille humaine, on va bien sûr rechercher un CV, bien sûr rechercher des compétences, mais je pense au-delà de ça, on a envie de trouver une personnalité, un caractère, une bienveillance, une énergie qui s'intègre vraiment à l'agence.